On avait un peu d'avance ce matin, donc il s'agissait de ne pas faire trop de bêtises pour assurer une belle journée et la victoire. On a commencé par faire des bêtises, on a réduit l'écart avec le deuxième fortement, ils sont même passés devant à l'avant-dernière manche, et donc il s'agissait de finir devant eux à la dernière manche, au dernier flight de la compétition, ce qu'on a réussi à faire dès le départ de la dernière manche, ce qui nous a permis donc de gagner cette manche et de gagner la Ligue Nationale à Pornichet, à la maison. La LNV, ça fait partie des objectifs du club depuis plusieurs années. Cette année, on a profité de l'événement qui soit déroulé à Pornichet pour pouvoir motiver l'ensemble des membres du club. On a fait, il y a une quinzaine de jours, une séance d'entraînement avec 50 adhérents du club qui sont venus. On avait 9 bateaux sur l'eau, donc ça a permis de faire découvrir ce format-là à pas mal de monde. Et puis, de sélectionner l'équipe pour avoir une équipe performante aujourd'hui et puis être capable de représenter comme il faut la France sur les qualifiers et puis pourquoi pas en finale. On s'est qualifié 4 fois en qualifier et 4 fois en finale. Les résultats ont été mitigés, on peut dire. Mais moi, je pousse au sein du club à rentrer ça comme un objectif très fort, essayer de ramener le trophée en France et pourquoi pas à la PCC. Donc, on va mettre des entraînements et des choses en place pour essayer d'être un peu plus performant que les dernières fois. À la Ligue nationale de voile, je trouve que c'est un format hyper intéressant, court, intense. On a du temps à terre, du temps sur l'eau, et puis le fait de venir juste avec son gilet, son matos, c'est aussi un gros avantage. Il y a une certaine équité qu'on peut ne pas retrouver en flotte, et c'est un format vraiment intéressant qui peut emmener sur une Sailing Champions League pour l'avoir fait cet été. J'ai trouvé vraiment plaisante et intéressante. La PCC, je dirais que c'est quasiment 50-50 en termes de mixité, et autant au club sur les entraînements de tout niveau qu'en régate, on a toujours retrouvé des filles. Et on espère retrouver des filles aussi à la Women's Champions League cette année et probablement un équipage mixte à la Youth Champions League aussi.